soutien à la parentalité, ça peut prendre des sources très, 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 très diverses. D'abord, on a commencé par ce qu'on appelle du loisir, des sorties, de la convivialité, du lien. À partir du moment où ce terreau a été semé et qu'il y a des relations qui ont été nouées de confiance avec certains parents, on a pu aborder la seconde étape du projet, j'ai envie de dire, qui est plus sur des dimensions de prévention et d'information. Je sais pas si je vais y arriver quand même avec cet enfant qui arrive là, le travail, la maison. Quand même, être maman c'est pas facile. Hein. Je sais pas si je vais y arriver. Ce qu'il y a, c'est qu'en grandissant, mon enfant, il s'impose de plus en plus. Surtout avec les écrans, il a du mal à accepter les limites. Moi, je pense que c'est important de lui mettre des limites. Du coup, je me sens un peu à court d'arguments, un peu dépassé. Surtout que moi je suis sur les écrans aussi pas mal, donc je sais pas trop si je m'y prends bien avec lui, ça devient de plus en plus conflictuel entre nous, et ses résultats scolaires ils sont en baisse, il a du mal à se concentrer quoi. Je m'appelle Faustine et j'ai 13 ans. Kevin, 17 ans. Fang, 16 ans. Marion, 15 ans. Jayali, 16 ans. Bonjour, je m'appelle Camille et j'ai 13 ans. Lola, 15 ans. Sephora, 16 ans. Maxime, 13 ans. Je m'appelle Léa et j'ai 17 ans. Noémie, 16 ans. Amélise, psychologue à l'école des parents et des éducateurs de l'Hérault. J'interviens donc sur la commune de Latte, au sein du Point d'écoute jeunes, qui est un lieu qui permet d'accueillir les jeunes sur le plan individuel, donc seuls ou avec leur famille. Et autour de ce Point d'écoute jeunes, on a pensé à une animation aussi collective qui se passe une fois par mois, qui sont les soirées tchatch. Et donc ce cadre d'animation s'est vraiment monté avec l'espace jeune, donc avec les animateurs de l'espace jeune et la référente jeune, Pascal Salor, où on a vraiment pensé et co-construit ce temps de rencontre avec les jeunes et autour d'un temps d'échange groupal. Ça sera
Alors, l'idée autour des soirées tchatch, les thèmes sont ouverts. C'est-à-dire qu'au moment où on arrive sur la soirée, l'idée, c'est vraiment qu'eux viennent avec leurs questions qu'ils ont sur le moment. Donc, c'est très variable d'une soirée à l'autre. Ça va autant des questions relationnelles entre eux qu'au niveau familial, que des questions, on a même eu un peu plus autour de l'intimité, qui vont être autour de la sexualité ou de la question de comment on est femme, comment on est homme aujourd'hui. Pour toi, est-ce que tu as une définition de la famille ? Ben, c'est des personnes qui nous entourent depuis toujours, avec qui on a des liens et avec qui on passe la plupart de notre temps et avec qui on partage beaucoup d'amour et de moments. C'est les personnes réunies autour de nous, notre entourage, nos proches et les personnes avec qui on passe de bons moments. Un cocon familial avec plein d'amour, de joie et de bonheur. Plein de moments passés ensemble. Des moments partagés, des sorties familiales, un endroit de confiance aussi, unis, soudés et s'aider les uns les autres. Moi je pense que les familles elles évoluent en même temps que la mentalité.